Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévision, Bino Bozali de partout à travers le monde, France, Belgique, États-Unis, Canada, Suisse, Tozali Nabino, Petokutani, vraiment une émission Nabino dernière minute. Dernière minute, émission Nabino, il y a décryptage, il y a analyse, il y a autopsie, il y a différents sujets d'actualité, Namboka, il y a Patrice Emery Lumumba, Lelo, Toko Betamasolo, Namakambo Italie, c'est différentes mobilisation hein, de part et d'autre, bah, acteurs politiques, bah, activistes, il y a droit de l'homme, bah, mouvement associatif, bah, union, bah, Zali, vraiment soudé comme un seul homme, hein, justement pour défendre, pour protester contre agression à l'est de la République démocratique du Congo. Mokula Lolo, nouvel élan, c'est parti politique, cher Adolphe Mozito, bah, Zali devant ambassade, il y a Rwanda, ambassade à Rwanda, justement pour protester contre cette agression parfois nous imposée, comme le disent certains politiques à l'est de la République démocratique du Congo. Quel message véhiculer, qu'est comprendre, il y a mobilisation tous azimut, il y a acteurs politiques Tokobet Amasolo Anabino, fidèle internaute, vous qui nous regardez à travers le monde, mais également cette question hein, Makambo Itali, à dénonciation, il y a fédération, il y a entreprise, il y a Congo, FEC, sur rémunération, il y a RTPC. Tokobeta Masolo, un an de coup, Tony Kelende. Tony Kelende, Azali, Moko, il y a pas communicateur, il y a parti politique, Nouvel Élan, Autopsi, Mbote. Mbote, Ndeko Maxime, ma tonne d'hypo na invitation na yo, Azali, première fois na ngaï, na prendre part na émission aux dernières minutes. Dernière heure ou dernière minute? Dernière minute, voilà, une émission au Nalandaka, au Yo, et décortiquaka le question d'actualité sans état d'âme, mais plutôt avec âme d'état. Moi, je pense que contribution à l'angaï dans l'émission Alelo et Kosala Malonga, toko décortiquer ma question au Yozaï Kosala polémique actuellement, toko pesa makanisi à parti politique Nabiso, Yozaï dirigé par Adolphe Mozito Mfumupa. Et puis, d'entrée de jeu, je tiens aussi à dire que Sikoto Koloba Oyo, qui nouvel élan, ils a dit Liboso et ambassade de Rwanda pour na kosenga rupture ya ba relation diplomatique na Rwanda. To se rendre compte que le gouvernement en place est géré question ya Rwanda d'une manière beaucoup comique au point que ba comique au réfléchir même ba libérer le des otages ya force régulière rwandaise au bazali na mboka na biso bakangi bango en otage. Biso to ko se poser question comment to koki ko gérer mboka avec beaucoup de narcissisme alors que tu as une mboka oyoyo depuis plus de 22 ans ba takaka biso ba bomaka biso bana ba obligé ka bango ba coucher na ba parents na bango ba ko boma batu ba ko kunda batu vivant to ko perdre batu chaque jour e koleka ndeko tiseke dit seulement ni sukoto komi na étape ya mobilisation nationale pour le booster a créé ma mesure moko oyo il doit ne ça que paix et s'implanter dans l'est de la République. Il est directement comme qu'on réfléchit comment ça la dialogue on a M23 ba groupe rebelle ba bomaka biso comment s'il vous plaît ça dit juste moi introductif nangai comment tu vas poser question comment qu'on kende ko ça la ba dialogue na ndeko président ya Angola pour na ko libérer ba otage wana o ba ko boma ba congolais biso to lingi lelo peuple congolais et répondre présent na sitting na biso pour na ko la sa désapprobation on a biso par rapport à la gestion il y a maramnyo ce kosala mana est de la République. Merci Ndeko Tony Kelende de Baimbo qui va comprendre déjà hein, comment en sera ce débat, un débat républicain au Tozali Ndeko Tony Kelende avant d'entrer même dans les vifs il y a Masolo Nabiso Alelo na kosenga en complicité avec la régie toko kakota la comment ça a été comment Baimbo ka bazali qui Kuboso ya ambassade ya Rwanda justement pour nako protester pour na makambo etali agression à l'est de la République démocratique du Congo ba imboka yo bazali na posa ya paix pays à la restaurer dans ces coins à conflit ya mboka na biso totali ba image paix tozongi juste après pour parler maintenant ya message contenu ya ces mobilisations tous azimut à travers le pays. On regarde ces images, on se retrouve tout juste après.
Bon, de Cotonou qui est l'étonné, nouvel élan mobilisé comme un seul homme devant cette ambassade à Rwanda. Est-ce qu'il y a une visée derrière la mobilisation? Est-ce que c'est une mobilisation d'hypocrisie? Est-ce que c'est une mobilisation qui a un contenu aux populations dans son ensemble, à aller derrière cette mobilisation justement pour que la paix revienne à l'est de notre pays? Merci pour la motuna na yo malamu na kozwa facette ya question na yo koloba est-ce que zali mobilisation mon côté ya hypocrisie et koki koza la hypocrisie te parce que soko tali ndeko Adolphe Muzito na ba différentes tribunes na ye il était parmi le seul congolais au baloba qu'il fallait faire la guerre avec le Rwanda pour que la paix règne. Faire la guerre contre le Rwanda pour que la paix règne à la partie est de la République. Lorsque l'obaki a une déclaration, il y a un peu de temps à la bougeaki, ba officine politique. Il faut qu'il y ait une procédure, un dialogue. Parce que bango ba pensa que pour le pays de sous-région, il ne faut pas tout réfléchir comment nous pouvons aller dans la réflexion à la guerre, mais tout qu'il y ait une étape de dialogue pour maintenir la paix dans le pays de sous-région. Mais on se rend compte que les différents dialogues, et soldé na échec batu bako continuer ko kufa kaka na est de la République. Dialogue ndeko Tshisekedi a komi mokonzi ya mboka contre volonté ya peuple a continué dans la même optique ya ba dialogue tongo midi po kwa kobenga même ndeko Kamere et Kagame que azali frère na ngai. Mais quand c'est la frère Nayo, bisotou quand c'est peut-être cette relation d'amitié à outrance et qu'on dit que ça là que paix est régné dans l'Est. Mais c'est fait que malheureusement, Ndeko Kagame a dit qu'il y a même plan à la balkanisation à Mboka, plan à copier ma ressource minière à Mboka Nabissou. C'est ainsi que Bissot, en tant que politique, Ndeko Adolphe Muzito, a dit Congo, il faut tout avancer dans la réflexion. Là. Il faut tout le monde à stade de sécurité. Parce que nous étions dans la logique de sécuriser toute l'étendue de la République. Avec tout comme on a étape de défense, tout défendre l'intégrité territoriale à Bissau. Parce que parmi les caractéristiques d'un État régalien, c'est un État qui est capable de défendre toute son intégrité territoriale et de protéger sa population et leurs biens. Ce qui est à la capacité à Costa de Angote, donc à Zahina, le dirigeant Moko Bali, il lâche. C'est-à-dire incompétent, la limite n'a pas de gestion à Mboka. Ne compte Kabila, ce qui peuple congolais mobilise là, jamais d'accord. C'est simplement parce qu'ils ont un certain laxisme par rapport à la gestion, à la question, à la sécurité, à l'est de la République. Tu te rends compte que Ndeko Tshisekedi a commis président de la République, à la place d'apporter une nouvelle donne politique sur l'aspect à pacification, il y a l'est de la République. Comment on a implication directe par rapport à pacification? Implication directe sur base de la décision impopulaire, impréparée.
préparé au Azui, état de siège, Hermoko a bandi dialogue avec le groupe rebelle, ainsi de suite. Et ça dit implication, Moko est la qui s'est limite Nangou. Là, c'était la voie diplomatique de Cotonou Kélène. Il faut comprendre qu'il y a la voie diplomatique et la voie militaire, Oyo, état à Rodi Kokola. La voie diplomatique, elle est importante pour tout un état parce que Tozali pays Moko, Tozali membre, il y a ONU. OK, l'organisation des Nations Unies et nakatia charte naye et kotia action sur le règlement pacifique des différends entre les États. Mais lorsque le règlement pacifique des différends est kosa la maté par le voie de dialogue, il faut tout réfléchir comment to koki ko riposter contre les agressions étrangères. Nous sommes dans la logique de pouvoir répliquer contre cette agression. Nous voulons que nous comme en étape il y a souveraineté, il y a défense, il y a intégrité territoriale, il y a mbokanabi. Parce que aspect à sécurité, comme je le disais tantôt, est là qui c'est déjà ma limite nango extrême. Et par voie de conséquence, nous devons réfléchir comment tout bandako défendre l'intégrité territoriale. Et cette défense d'intégrité territoriale a plusieurs facettes. Nous devons réfléchir comment doter budget conséquent dans l'armée Nabissou. Armée congolaise sur toute l'étendue de la République, tout ça, il y a 10 600. Militaire dans Mboka Nabissou. Déjà sur le plan effectif, on les a dit, Mouki, et pas là qu'on s'attendre, n'a réplique Moko foudroyante contre les attaques de l'ennemi. Parce que tu as mis déjà modus operandi à Rwanda. Rwanda à Bundaka, non seulement Yemoko, mais à Koyukape, à Lié, à Yéba pays, oh, ils ont dit, Naye, à voisin, à Uganda, ainsi de suite, à Burundi aussi. Mais comment Bissou, déjà avec cet effectif, tu as tenir teinte contre coalition ou bien contre mutualisation des efforts rwandaises. Au-delà de ça aussi, il y a un aspect, il y a traitement. Il y a des policiers, il y a des soldats qui sont en front. Un soldat, ce qu'on a dit, 10 600 unités, plus 3% où il y a budget en Mboka, la loi pour la défense et sécurité en Mboka, ça fait 200 millions de dollars pour tous les soldats sur toute l'étendue de la République. Ce qu'on divise en Mboka, chaque soldat a moins de 200 dollars. Déjà avec une somme dérisoire. Pour la plupart, il y a des militaires au Basaka Bazali. Le traitement, la majoration, il y a 30% de salaire, il y a agents et fonctionnaires de l'État. Tous à la tête, il y a aspect de majoration théorique. Malheureusement, au Congo, nous avons des secteurs politiques qui ont la cravate. Malheureusement, le Kouangai, il y a la cravate parce que les Belges ont imposé un bisou. Mais nous sommes de bons parleurs. Nous avons une très belle prestation en termes d'image, en termes d'apparence, mais dans la faisabilité, nous sommes faibles. Et cette faiblesse, c'est autant qu'on constate, Nandeko, Azali, ministre et la fonction publique, on connaît ça va tout d'une manière chimérique. Moi, je suis assistant à l'université de Kinshasa. Mais je te dis, ce qui a été 30% en a, 30% en a sont calculés par rapport à Mongo Bafoutarangai. Zana Yebisayo, salaire au Bafoutarangai. Bafoutaranga, $300 na toi, il y a 95. Toi, il y a 95. Si quoi, 300 dollars à toi à 95, on a ce baba qui s'est engagé 30%. Toi, tu penses que combien n'a besoin 30% équivaut à 30 000 francs congolais. N'est baba qui s'est salaire. Ngayo na Bali, na ina moana na foute la kandako. Il faut na late lamba, il faut moi si na late lamba. Il faut moi na nga melamiliki. Il faut na foute à l'otiliki, na foute à maï. Yo kanti na koka kozo en charge famille na nga mobimana, mbongo wana. Combien de nyongo na on a yé na ngo ya bémission na le karaofele. Juste parce qu'il est incapable de répondre suffisamment à ses besoins, il y a un personnel. Déjà, toute la théorie, on a 30% ainsi de suite, simplement parce que ça ne reflète pas la vérité. Le panier de la ménagère est caca faible. Le pouvoir d'achat du peuple congolais est caca faible. Voilà, tout ce qu'on a la question, on a la lobby déjà sur base, il y a un traitement dérisoire. Il y a quand même des soldats qui sont en affront, animés d'une force pour combattre les ennemis, pour envahir le cannabis. Déjà dans cette logique, nous devons réfléchir comment redéfinir déjà la somme au balou capon la défense et sécurité, aussi qu'on réfléchir comment tokoki kobanda. Parce que pour refaire la guerre, je suis dans cette logique, je développe, il faille que nous puissions avoir un logistique aussi suffisant. Congo, secret des polichinelles, ils allaient pays où ils allaient embargo pour la rachat et armes ainsi de suite. Comment donc qui ça la politique? Moi, je pense que la diplomatie de M. Tshisekedi Tshilombo pouvait triompher, pouvait gagner. Qui a kenda qui qu'on négocié na secrétaire des Nations Unies oyo ba pesa biso embargo pour na bacha et parmi les personnes qui ont milité pour que nous puissions avoir cet embargo c'est messieurs c'est la famille politique qui nous dirige aujourd'hui.
C'est l'UDPS qui a milité que nous puissions avoir cet embargo. Nous ne pouvons pas triquer l'histoire. Ce qui lolo il épaisse, ce qui lolo il épaisse. Nous nous allons coller bas neko Tony Kelende. Azali artisan, il y a du fait que tout ça l'embargo, il y a achat, il y a armement. Aujourd'hui l'UDPS au pouvoir, ça dit à l'engagé ça n'a clé. Il y a déverrouillage, il y a décision à la Nations Unies. À quoi qui concerne la clé, il y a déverrouillage. Pourquoi je le dis simplement parce que tu se rendre compte que 37 ans na bango na opposition. Oh, babanda qui promettre le ciel et la ligne na peuple congolais et aboutir na yelo côté. Tozali na ba jouisseur au sommet de l'État. Tozali na ba toyo souci à peuple ezali dernier ezali le cadet de leurs soucis, de leurs préoccupations. Na makambo zali koloba ba imbo comme ça bazali comme on a été il y a des actions qui sont réalisées, qui sont faites en faveur il y a population. Est-ce qu'aujourd'hui dans les contextes actuels de ko Anthony Kelende o mbo kanabiso ezali vraiment l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que tu conseillerais na baï politique? Est-ce qu'il faudra voir Masolo, na ndenge ke ngai nazali opposant, ngai nazali résistant, ngai nazali moto ya pouvoir, ngai nazali boyé, donc to beta na bakolibé, to beta na ma discours, ou bien il faudra avoir un même langage, il y a soutien, il y a FRDC à ce net moment, dans le contexte actuel, ce qui est maramou ya guerre, maramou wana longwe, to kakozwa discours mususu. En effet, biso to ina logique ya unité nationale autour de nos forces armées de la République, parce que policiers, soldats ou azali na est de la République ba ko beta emuma ko kufali congolais le kolangai to ko zala na logique te ya ko semer terreur, division pour que to ko profiter nini na yango congolais ko kufa na est azala homme en uniforme, azala civil, azali congolais le kolangai. Nous sommes dans la logique qui a causé la unité nationale pour na ko combattre ba ennemi. Enfin que guerre oyo et ça les plus de 22 ans le quoi na lobaki yango. Et si la pona libela, to les guerres Congo moko ezali pacifier pona banana biso. Banana biso il faut pe baye ba que génération na biso to bunda ki pona to zala na Congo moko ezali na intégrité territoriale na yango. Ba to ba ko réfléchir sur balkanisation ya mboka, bazala ba dongolo misu wana ba kufa na soni. Yango nous sommes dans cette logique. Mais cependant, ça nous donne aussi la réflexion de réfléchir comment nous devons procéder. Et le comment nous devons procéder trouve sa réponse par l'analyse d'Adolphe Mougiste de faire la guerre. Pour faire la guerre, il y a de préalables qui entrent en ligne de compte. Et bien, préalable, on a. Et qu'on sait. Déterminé, vraiment, que la guerre est à l'entrée. Nous sommes déterminés qu'il y ait la guerre contre le Rwanda. Le Rwanda, c'est un petit pays en termes démographiques, petit pays par rapport au même, il y a corpulence, il y a peuple Nabango. Des personnes qui sont des maigrichants, ils n'ont pas une intégrité physique Nabango, mais si on t'a dit déjà dans les longues, il y a Kagame, les longues, il y a Tshisekedi, il y a Bakangé, il y a un Ndako, il y a un vraiment, ce qu'on a fait, il ne fait pas Tshisekedi. Le Rwanda, Tomi, qui est allé équilater. Nous avons un peuple vaillant. Nous avons un peuple fort, nous avons un peuple, malgré ma vicissitude au et au vivre, malgré ma passion au et au vivre, nous avons un peuple fort, capable de tenir tête contre le Rwanda, même si tu as un embargo, il y a achat, il y a armement. Mais cependant, ça nécessite que toi, tu as un leadership fort, un leadership transformationnel, capable de canaliser l'énergie au et au vivre, l'avantage au et au vivre en termes démographiques, l'avantage au et au vivre en termes, il y a ma conception, il y a ma idée, il y a matérialisation, il y a guerre, pour la guerre. Guerre ici dans l'est de la République, définitivement. Ça sera le profit de Tshisekedi aujourd'hui. Ceux qui guerrent ici dans l'est de la République, ils peuvent se taper le torse pour une année électorale prochaine. Alors, malgré. Azali déterminé avec cette pression, Adolphe Mozito. Azali déterminé, parce que ce qu'on a dit, lui, il joue toujours à la courbette. Les lois. Ah, lobby à Zaki Angola. N'angola pour qu'il ne qu'on réfléchisse comment il qu'on ça à dialogue. Alors que peuple congolais il motive. L'imposition c'est l'ONI même à travers na CIRGL au plus tout allez qu'on faire partenir. CIRGL au RDC allez qu'on faire partenir. Lorenz soit allez président CIRGL. CIRGL ONI et allez ba organes moko internationaux ou et allez na pouvoir ya contrainte t. Et allez juste un peu ça ba directive pour que Bah, prenez le règlement pacifique des différends entre les États. Mais lorsque un État est agressé, le texte qui régit le droit de la guerre, le droit humanitaire, donne la possibilité à un État de pouvoir rétorquer. Le premier à subir les attaques. Pourquoi pas RDCP un jour à cause à la le premier à attaquer?
Et puis, toko osenga bango pe bayo osenga ba dialogue. Biso toko bando zaka na position est faiblesse jusqu'à quand? C'est autour de cette problématique que nous nous réfléchissons. Comment nous pouvons apporter une nouvelle offre politique en tant que parti politique pendant qu'on balayer ba guerre nyonso, ba groupe rebelle nyonso ba instrumentaliser peuple congolais. Yango tozali to telemi lelo to ali boso ya ambassade ya Rwanda pendant qu'on singa premièrement d'abord rupture des relations diplomatiques aussi ko bisap o ko diriger mboka ke le peuple congolais est préparé pour qu'il y ait la guerre contre le Rwanda parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Ce qui a tient de côté ma proposition na biso to ko mona kezali avait moko ya lâcheté de sa part. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que la paix à l'est, il y a Mboka na biso, ça passe inévitablement par la guerre contre le Rwanda. En effet, ça passe inévitablement. Je ne serai pas extrémiste, moins encore radical, mais nakolo bango, s'il faut me répéter. To banda ki de un processus, il y a un dialogue. To sali ba dialogue mingi. Ndeko Laurent Désiré Kabila, l'air à qui soit disant qu'on libérait Bissot, n'a pouvoir y a papa, n'a pouvoir y a Mobutu. À côté, c'est la qui Bissot, bah Rwandais. Bah Rwandais, bah infiltré armé, na Bissot, Makasi. Bah Rwandais, bah ça qui même, bah ministre, na gouvernement, na y a sali populaire, Rwanda, le sali du peuple. Bah y a eu le ministre rwandais, oh bah ça là qui, ministre de l'enseignement, ministre de la défense, ainsi de suite. Le Rwandais, qui assumait le poste de responsabilité dans notre pays. Et puis, à côté qui bango na armée, y a un beau cannabis. Déjà, procédure où il y a dialogue. Et ça, la mine a période, il y a Kabila, le fils. A ça, il y a dialogue, mais le dialogue, on est ces soldats, na néa, na libungu, toulou. Biso en tant que peuple congolais, tant qu'on réfléchit, ton lembi dialogue, ton commis na moment, ya ko le kan action. Action, elle dit guerre. Action, elle dit défense, y a territoire yambo kanabisu parce que le théorie tolembi ma théorie ma salutation protocolaire mon dialogue ndé sali ke ndeko tshisekedi abana ko kanga ndeko comme na sunani président Rwanda wana abana ko kanga yena nzoto abana lo bakia yeni muninga na ye ce sont les voies diplomatiques quoi abana ko utiliser certes choka ki mboka mais biso en tant que ba intellectuel tout le bâti total, là, nous peut-être procédure, mais il y a un peu d'amitié. On a qualifié à outrance, Nandeko au président Rwanda Kombo na ebité ou déjà et que ça que peut-être pays contre l'est. Mais et puis au-delà de ça, ailleurs aussi sous initiative via mutualisation des efforts. Naba armée rwandaise ainsi de suite. Andimi même que ba ressources naturelles na biso baba na ko traiter en na Rwanda. Tala ba privilège yokam ebele. Apesi bango. Mais au-delà de privilèges, wana ndeko kaga mepo na yekaka, il faut partir est wana ekoma ce qui province, ce ekoma parti moko ekoma annexé na Kigali, ce qui na Rwanda. Voilà. Mi-juin a bakoya na Rwanda. Biso to ebi mboka na elimokie ti barumbu, ti komina Kinshasa, ti changu uma sina place nga vandaka. E ali monene ke moi Rwanda moke wana. Batwana bakoya. Est-ce que yo kanisi ba vanda wana? Idée kozala kozwa population rwandaise ko pousa bango na partie est. Déjà théorie wana banda ki déjà na makambo minembwe. O peuple congolais a se mobilisé ki comme un seul pour barrer la route à cela. Oh, tu sens que cette logique de la balkanisation, de pouvoir exterminer le peuple congolais au profit des occidentaux, au profit de rwandais par des occidentaux, et ça dit qu'ils ont mis à la mise en œuvre. Plan Oyondeko Sarkozy à l'Obaka à l'époque, le Razaki président en France, qu'il faut tous voir partir est topé, c'est un Rwanda. N'est-ce pas comment les alliés, comment implémenter ou bien mise en œuvre? Le Congolais, nous sommes déterminés. Pas question de céder même un centimètre du territoire congolais. Parce que Mboka Oyoyo, Patrice Emery Lumumba, Mboka Oyoyo, Fumu Kimbangu, Mboka Oyoyo, Kipanvita, à tiquer la bison, il fallait étiquer la un indivisible. Il faut Congolais à se sentir à l'aise et cautionné sur toute l'étendue. Il y a territoire, il y a Mboka Naye, sans pour autant discrimination ou quelconque salama de qui que ce soit. Il y a un gros bison, toi, il y a logique. Ou non, négocier dit maintenant, à la place de faire la courbette, il est important de réfléchir comment nous pouvons
commencer à profiner de stratégies pour faire la guerre contre ces imbéciles de Rwandais qui nous envahissent. Ken, oyeko la tangai, eko sala que biso moche ngai nazali mutu ya este, ngai na yebi pasi ninyo ko mona ndeko, ba yebisi yo mwana ya 8 ans couché na mama na yo, wala ina 58 ans. Naibi passion comme on a papa ba ko ebisa e coucher na mwana na ya mwasi ya bébé nouveau né naibi passion ko sala e lengelo ko biso ba ko kunda bango vivant. Lorsque je prends ces allures dans ma communication politique, il dit parce qu'elle a dégagé la peine on a la viva biso to la Kinshasa oyoyo to ko foute la bolo ke to tika ba mapango na biso kuna na bagoma wana simplement parce que to ina go bangi bobangi to bité na er nyuni ba koya le lobby so to la Kinshasa to ko to zaiba locaté. Donc on vit une vie pénible. Oui, certainement, on a sali dans Mboka Nangai. Certainement, on a dans Mboka Nangai. Mais il y a la volonté Nangai parce qu'à Goma, il fait très beau vivre. Vous comprenez? Déjà, non, on a une discrimination. Mais on a la kisayo passion à comporter dans mon thème Nangai contre toutes ces exactions. Agression. Et que ça, dans la partie est de la République. Ndeko Tony Kelende, Fumumpa, Ndeko Adolphe Muzito, vous allez na sit-in bien évidemment na devant ambassade ya Rwanda. Koto kuna pe bloc patriotique te ende konabino ya Martin Fayulu Madidi atie lobby. Ba imoka msuba tunaki ah deni ni bino bosali lelo il va vous faire lobby ensemble. Tomoni msusu bino vous allez beaucoup plus fidèle na la muka que bloc patriotique. Yozali mopandi sango ya maele oyo to akalai na mboka ngala na 60 kaleza kulekana emission na yo atana tunyote ba questionnaire kwa nini parce que opposa ka question d'une manière pertinente ko pesa biso ba oku invitaka mageto ala mbongo ko pesa yo te parce que ba oba ko kama mboka ba ko kama na ndenge longo bani te to ina mbongo te mais oko pesa biso quand même capacité à correspondre d'une manière pertinente na question oyo na ko longola un peu na ko dépassionner débat bon comprendre première manche wana cher internaute ezaki na lobaki yango na pasi na motema parce que je vécu la guerre, je connais le traumatisme de la guerre. Alors, la question, oh yo yo, il y a bloc patriotique, Nandeko, Martin Fayulu, na oh, bisoto ko sa la sitting. Bisoto a une logique que, après l'élection en 2018, Ndeko Kabila a profiné ma stratégie pour na koboto la biso bokondi, koboto la tiquet, oh yo, la mouka est présentée qui na peuple, oh va bengi, Ndeko Martin Fayulu, et ça dit que, a su bokondi, a pesi Ndeko Chilombo. Chilombo a commis président de la République. To mué ou bien to changer la casquette, il y a plateforme électorale vers une plateforme de résistance. Parmi Babylon, comme il te proposait, il y a une réforme institutionnelle. Yo, et yébi. La réforme institutionnelle, il y a un touché coup constitutionnel, il y a un touché CENI, il y a un touché différents processus électoraux, ils ont apaisé pour l'élection 2023 et les Longo Bani. Mais curieusement, comme il a avancé tout ça, la marche carton, Congo Mobimba paralysé, notre voix a porté. Tout ça, il y a une proposition, il y a une loi électorale, il y a une loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, la MUKA, je dis, avec le leader. Mais il s'est avéré que Ndeko Martin Fayulu, comme il est dans son ADN, il a la conception que c'est Kabila qui donne le pouvoir. Donc, il est resté nostalgique. Vu que Kabila a donné à Tshisekedi le pouvoir, lui aussi, pour être au pouvoir, il doit s'approcher à Kabila. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un Ndeko Martin Fayulu qui joue lâche-botte de Kabila parce qu'il veut à tout prix être président de la République. Le combat n'est pas de Kabila, ce n'est pas la personne. Non, le combat n'est pas de Fayulu, voulais-je dire. Le combat ne peut pas être confondu avec la personne de Martin Fayulu. Le combat doit être vu au soumou aux autres, on a peuple. Peuple, il a besoin et rompre Namba, ma camion, sautocomune. Ba dictature, ba violation, y a ba processus électoral. Ba violation, y a ba démaquiller, ou y a ko maquiller, ba voix naïe. Mais aujourd'hui, nous avons un Fayulu qui y est devenu un ami très proche de Kabila. Oh, ba on y a ba bunda. Y a le quoi, biso tozali. S'il vous plaît, jalousie. Toi, bon, on dit que ma vision, ça se diffère. Ezali jalousie. Et à l'occasion, là, Ezali Ndeko Boye. Oui, mais que diable, wana.
Moutoua salaki ke nga ina koma paralysie, ina koma aveugle. Ok? Mais si ko yo, oko se ligé, na diable wana, po bundi sa diablotin, peut-être o aya ki kaka na eloko ya kubua kana se po yo nyato koma paralysie, ou bien atsa ki mo eloko moko ebo ma yo misu. Ndeko Kabila dans ce contexte, il est le diable. Dans ce contexte du combat du peuple, le Kabila, il est le diable. Donc, Kabila, alors, nous ne pouvons pas, bien sûr, Ndoki, nous ne pouvons pas nous associer avec le Ndoki Kabila pour Nakobunda afin que tout soit vérité des urnes en 2023. C'est faire une chose avec son contraire. Nous devons être cohérents envers nous-mêmes. Bisoto lobi, le quoi Ndeko Martin Fayulu, aligné kokende kuna. Certes, la logique est allée à résistance. Finalité est allée causale à la processus électoral apaisé. Ou qu'on respecte vérité des urnes en 2023. Bisoto moni, est allée problème. T'es allée le même objectif au Lamouke Bundilara. Bisoto tiyena bisoto Lamouka. Tant qu'au monde a yen denga kosakana kuna bloc patriotique, l'un. Ba ndoki ba kopé ça est ndoki peuple est mort à koyeba nanya ko voter na 2023 en attendant biso nouvel élan Adolphe Muzito toi t'as dit candidat président na biso l'échéance électorale échéance électorale il y a 2023 yango to ko militer pour toi ala na ba réforme consensuelle. La réforme consensuelle pour permettre biso na élection en 2023 tous alana muto a ko imposer nouvelle offre politique na peuple congolais sur un programme économique et social capable de répondre aux désiderata du peuple congolais to boyi politique oyo ya volonté ya peuple congolais ba ko ki ko maquiller yango ko boma yango au profit d'un individu yango ko mona que biso to tikier abunda comme il pense que c'est pour une bonne cause basa la o bango ba ko ki ko sala biso to tikali na notre logique yango les lots, tu as dit bosser à Rwanda. Alors que tu aussi, ça dit bosser à Rwanda, qu'on s'est une rupture à relation diplomatique, voilà. Donc on continue là-bas, tu en as bissau de terrain à réforme pour permettre bissau tout ça là déjà préparé parce que le parti Nouvel Élan demeure le premier parti politique au Congo qui a le siège sur tous les 145 territoires. Namboka la bissau et puis construit à des fonds propres. Peuple congolais a quadré tout le jour massivement. Si quand on colle au balon, on te coule un appel. Y a mutumo kaza ina bonganda nga. Acho bengangai. Non, bien sûr. Pourquoi colle matongé? Et ça Équateur, Kuna, Équateur, province Équateur, Grand Équateur. Alors, asali Kuna, acho kozo carte naie. Pour a bandako milenge la na mobilisation na ba enseignement auto ko je pas leader na biso pour to se préparer na élection à 2023 biso to za ina jalousie contre Bangote mais to ligne to respecter ba principe pour respecter le principe ça voudrait à ce que nous puissions avoir un processus électoral qui ne doit pas être parchemé par beaucoup d'embûches ensemble to ko ki ko militer te na mutoyo asaki ke chaos électoral lelo lelo to to dénoncer makamu ya ba ram biso yo to ko dénoncer ba guerre à est. Tant qu'on dénonce le pouvoir d'achat économique faible, maman ou avant d'avoir ma signe à place où on a la vanda. Maman ou anna, à côté de dongo dongo na ma belle, à ce moi chasser mon roi, tiens, on a toki dongo dongo na ye, aye bien mon coquet dongo dongo na kopé sa 1000 francs. 1000 francs na yena 5 ban. O ba kenaka université, o yo yo, il faut balia, balata, il faut foutre ndaku. O comme on a pouvoir d'achat économique faible. Yé moko déjà il peut il faut aller ba maman oyo yo bazali na malnutrition ba na mibali oyo yo ba yebisu eloko musu ko sa terre pas ko boma ko yiba papa soko mo na cicatrice ça ezali fait ya banditisme urbain eko sala manana na est de la na nini na changu wana parce que ba o ba ko diriger ba kuluna ba o ba ko diriger moka ba ko diriger na ndenge longo banité au point que force ya jeunesse. À la place, bâti en gros, il y a construction en boka, il y a construction en boka, il y a zangatina, et puis babiso oyo, il y a défense, il y a cacité, il y a victime. Déjà, nous sommes dans cette logique, il y a un autre milité pour tous un processus électoral apaisé, afin que les choses se passent d'une manière cohérente. Donc, Tony Kelly, il y a un autre qui est na souk à la mission de Bissot, mais il y a un autre qui est vraiment éclairé. Les lots sont allés comme une division entre. Moi, bilinga entre Adolphe Muzito, Nandeko, Martin Fayulu, basali ko une tuna, balobi était non, c'est une question de leadership. Adolphe Muzito, yewana candidat na présidence de la République en 2023. Adolphe Nandeko Martin Fayulu, candidat président de la République en 2023. Est-ce que c'est pas cette question qui a divisé l'élo, les deux leaders, Martin Fayulu? Adolphe Muzito, ou bien Isaac Kamakamba bloc patriotique, peut causer la
maluba pour nato o silisa émission mokolo ya lelo. Bon, en fait, les alliés problèmes y a leadership. Chaque parti politique, les alliés n'a pas objectif nango au bisson sotoyebi, les alliés conquête y a pouvoir et puis co gérer pouvoir wana le plus longtemps possible. Bisson en tant que nouvel élan tokoki koya te tozala un parti accompagnateur y a un monsieur qui se croit super homme. Parce que toi, il peut avoir ambition à Bissot. Lélo, ce qu'il faut, il a commis président de la République. Encore réfléchir, nous, comment Kotia, membre et parti politique, il y a aussi en œuvre pour atteindre la capacité de rendement. OK? Par rapport à ce secteur, il y a un problème dans le Bissot. Alors, il y a un problème, il y a un problème que chaque parti politique a ses objectifs. Mais l'objectif, c'est en côté parce que la liberté de penser est permise. Torons à la tête la plateforme Moko, Moutoumoka, c'est quoi, super homme, ah ben d'accord, imposer, bah tout dictat, naé. Non! Non! Ah ben d'accord, imposer, mais tout le monde, il est comme un bongo. Tout le monde, à quoi imposer, nani? S'il vous plaît. Tout le monde, je suis pas, s'il vous plaît. Je suis pas dans la logique qui a ressapé l'autorité politique qui a beaucoup à la bisou. Ndeko, Kobenga. Asali Moutoyo, Bapona qui est pas bas, leader rebelle, Bapesa qui est chance à commis ou à Zalaki. Avant Rwana, Zalaki député provincial. On est comme ça, marche dans le mouvement citoyen. Vous voyez? Donc, toi, mais quand on caricature, et puis parti, Zalaki parti, le moins connu, Yamboko Nabissou. Adolphe Moussito, Zalaki premier ministre honoraire, Yamboko, et puis Zalaki dans la notoriété internationale. Mais surtout quand ils allent guerre ou en athé, et qu'on finit athé, ils allent qu'on finit athé. Permettez-moi, ndeko ils allent qu'on finit athé, ils allent constance. Mais surtout ils allent bateau, ils allent kaboué, mais surtout ils allent bateau, ils kaboué. Ndeko musitu, ce côté ils parcours politique, naya, ils allent dans coloration politique et bénédiction, ils allent kakamuto, ils allent issu na palou. Leur palou est sali, minga minga, sous la bénédiction de Kabila, Alongwe a créé parti politique naïve à Bengi Nouvelle et l'Antilelo. À côté la Mouka, à côté Union Sacrée, à côté Babilo comme Mibelete. Étant dans cette logique, Bandeko, Bakoma, comment on a le roi faiblesse. Bakoma, comment on a le roi faiblesse. Bango, Balingi, Bissoto, Zala, qu'on promouvoir candidat président à Bissoté. Pour des partis politiques sérieux, il faut que ceux qui voient la plateforme est Moko. Les autres, comme on a même la Union Sacrée, le parti politique, le congrès, le désigner Ndeko Tshisekedi Tshilombo comme leur candidat. Il y a aussi d'autres partis politiques qui vont désigner leur président national comme candidat président de la République. Et maintenant, lorsque Bakokoutana, le quoi, tu as une élection constitutionnelle, on a déjà révisé à un seul tour, le potentiel candidat président, Moko qui a désisté pour la Moussousou. On a dit ça, mais d'une manière rationnelle. Ndeko. Oyo, il y a Tozaki Naina Lamuka, actuellement, il devait commencer à penser à ça. Il y a Lingi Bongote, il y a Lingi Bisso, hein, parti politique implanté, il y a parti politique, il y a tout le monde réfléchir comment Toko Sala, Toko Banorozala, Nenge Batubalobaka, Nasimanae, Toko Zana Simanae, parce que, il y a une gestion de mon côté. Oyo Batubayebi. Mais Mouzito a une gestion au Batubayebi, Mouzito a zali Moutoyo, a fouta ba dette extérieure, a améliora budget de 9 millions à 4 milliards, a fouta a mati sa salaire à ma professeur, y a ba magistrat, y a ba enseignant, a sala de sommier, ba route y a déserte agricole, et à la construire dans Mboka Labisso, ba route d'intérêt national, et à la construire, même question à Est et Oto, Kolobe la Lelo, y a une question Moko Oyo, et tu verras déjà moi, et tu verras déjà ma réponse d'une manière efficiente dans la période de Yandeko, Adolphe Moussitu. On ne peut pas rester dans cette logique, y a ko quitte ça. Un leader politique qui a beaucoup à donner pour son pays, au profit d'un monsieur qui se croit super, monsieur qui a la magie de la transformation de la RDC. Yango biso toko loba, tozali constant na combat na biso, toko sala yango peuple congolais déjà comprendre que nanya zali na guerre ya popularité, nanya zali na guerre ya positionnement, parce que le lomu toi ayina Kabila, oyo banai ko finga ko combattre, o banai ko loba kena ko s'associer na ndeko Tshilombo soki a longwe pemene ya Kabila, toyebi ye le lomu azali na Kabila. À cause du financement, à cause de la carrière politique, na ezala. Tout le monde a une étape de nostalgie. Tout le monde a politique qui est nostalgique. Tout quand monde a Kabila qui a pu sa pouvoir. Et le peuple a pu sa pouvoir. Et puis, son nouvel élan, nous sommes dans cette logique que c'est le peuple qui donne le pouvoir. Et par le peuple, pour le peuple, nous serons au pouvoir et nous allons préparer un programme
économique et sociale qui va répondre aux désidératas du peuple congolais. Wana ezali le bananga ya suka na sepeni makasi pour l'invitation na yo. Mesdames et messieurs, c'est par ici que tout est vraiment point final na émission Ebiso ya Mokolo ya lelo. Tozwa ki esengo ya koyambela bino ndeko maître Tony Kelende ozali moko ya ba communicateur à parti politique Nouvel Élan ya Adolphe Mozito auquel je dis merci. Merci beaucoup. Vous étiez beaucoup à suivre cette émission. Natoni Bino vraiment Tony Ming pour l'attention soutenue dans l'émission Bino dernière minute. Boutikali malabu na mabuta na Bino, ngana Bino, tokutani à très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et programme et allez continuer la chaîne Bino au Congo Live à télévision. Au revoir. We'll be right back.